Hey yo, salut à tous, c'est Lady et Yoda. On est heureux de vous retrouver pour une vidéo informative donc sur GTA V. Donc ils vont mettre quelque chose en place pour la Saint-Valentin donc qui a lieu ce vendredi 14 février. Déjà. Donc Lady, je te laisse expliquer un petit peu ce qui va se passer. Salut tout le monde, on va vous parler du pack de Saint-Valentin. Donc c'est le nom du pack, ça sera The Valentine's Day Massacre Special. Oui, je sais, j'ai un super anglais. Donc ce pack annonce pour dans 2 jours l'arrivée de petits cœurs sur votre map GTA. Donc il y aura des nouveautés en solo et en multi. Alors pour ce qui est du multi, je pense que de mémoire, vous allez avoir 10 nouveaux jobs. Vous allez avoir également des courses, des matchs à mort un peu spéciaux, des nouveaux véhicules, de nouvelles armes. Donc on n'a pas plus d'infos pour le moment. Il y aura également des nouveaux vêtements et des coupes de cheveux style années 20. Voilà, donc tourner un petit peu gangster, c'est comme Noël en fait, ce qu'ils ont fait à Noël. Là, c'est pareil, ils le font pour la Saint-Valentin, donc je pense que ça va tenir le 14 et le 15 février, qu'après ils vont l'enlever. Il y a aussi une partie pour le mode solo, donc pour le mode solo, vous aurez automatiquement dans votre inventaire la mitrailleuse Gusenberg Sweeper. Donc c'est la mitrailleuse que vous pouvez voir sous vos yeux avec le chargeur Camembert, donc sur l'image. Et il y aura aussi donc une limousine qui s'appelle l'Albany Roosevelt. Donc c'est le pareil, vous la voyez sous vos yeux, c'est une limousine années 20, 30 par là. Et donc je pense que ce véhicule, vous le retrouverez aussi en multi. Oui, restez connectés avec nous, on aura sûrement des infos pour le passer en multi, on est pas mal sur ces infos-là en général. Donc voilà, on se dit à dans 2 jours pour un monde plein de cœur, plein de love, love, love sur GTA V. Je sens que ça va être magnifique. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser avec ça et on vous fait de très gros bisous. Gros bisous tout le monde, à bientôt.